Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvée, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tôt sur la mienne avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des référents. Voilà, mbote bana Congo, mbote bisika bozali kolanda to sera bien votre magazine préféré. En tout cas, topé sibino mbote bipanyo so bozali kolanda biso na ba salon, hein, na ba katia ndako, bozali kolanda biso na ba boutique. Vous nous suivez à travers ma plateforme digitale na biso. En tout cas, topé sibino mbote puisque bozala toujours fidèle na programme na bino ya magazine to sera bien. Nous sommes déjà sur ce plateau pour être tué ba ko solo la peneuve, ma bien to sera bien ka nenga to mesani ko sera bien pour na retrouver solution n'a pas problème aux alliés qu'au Tungisa la République démocratique du Congo tozana mboka monene mboka kitoko et tonan kita. Donc nous avons une obligation d'être vraiment à la page pour être tebo kolandela tobungisa eloko mokote. Donc souci à moi na Congo ezake mboka ezala bien pour être chaque mutu ayeba ko se retrouver kimia ezala na kati ya mboka. Merci beaucoup, vous êtes en direct sur la chaîne de référence Antenna, donc au plateau moko vraiment qui toko tobongisa le bino, un plateau des analyses, c'est un plateau des propositions auto yambaka pene vuma ba yimbo kapoete ba yiba ko mettre point de vue na bango par rapport ya maima so ezali ko leka a ona kati ya mboka na biso. Donc lelo to kozala vraiment na dossier moko o ezali kota la crise kuna na kati ya UDPS. Tshisekedi donc mutungi sezali makasi parti ezali koyoka na tete ebite soki komi biteni combien okoyoka boye branche te la salle déclaration lobby kuna ba désavoué kuna ba lobby que non secrétaire général Augustin Kabuya zala. On se pose des questions, est-ce que ezakaka UDPS ya Etienne Tshisekedi heureuse mémoire to et koma UDPS mususu. Donc à des fois ezali ko tungisa ba kongole bele, pourquoi? Parce que kota la 37 ans de lutte kota la bitumbo papa Etienne na bundaka vraiment pour na constabiliser UDPS pour na imposer idéologie na ina na mitua ba congolais. À des fois ça fait trop mal, raison pour laquelle il faut tout vendre la paix de sion na tout ba réellement qu'est-ce qui se passe exactement. La fois passée tu yamba ki ndeko Glody Mwamba bango bazaki na kan ya Augustin Kabuya lelo to koyamba mwana mboka don ancien Mubiayi yazali cadre il y a UDPS, il est avec nous sur ce plateau. Je pense que vous allez découvrir côté naye masolo et kozala ndenge nini ndeko don ancien mbote na pe boyela mbote monsieur journaliste et c'est ngozali makasi ma koyamba yo pensa aussi ya que boyambingai actualité pénèvre ma est dominé UDPS UDPS bino bozali bancien ya UDPS bino boyebi pénèvre ma parti ndenge botama. Vous avez toute une histoire na katia parti, mais il s'est fait que na katia UDPS presque tous les secrétaires généraux balekaka ils ont toujours des problèmes les lois photo et ba pénèvre ma ou les tous na ba cause na ba conséquence. J'aimerais vraiment toi attaquer d'abord cause toi exactement. Qu'est-ce qui se passe na katia parti puisque vous avez toute une histoire na katia UDPS? Bon, merci. Avant que na kota na koyano la motuna na yo malam d'abord baye ba Donatien Mubiayi azanani. Donatien Mubiayi azali cadre a fait membre d'abord avant de devenir cadre na banda le kolabatonyonso ndenge to bandaka depuis 1989 na kota UDPS na Équateur. Donc, na ville ya Bumba, na kendeki lokola congolais nyonso na kati ya mboka na yeko tambolaka. J'ai fait connaissance avec le vieux Mbilia Louis XIV, persona akufa. Et Mbilia zalaki relégué na mboka na yeka kapona komba oyo e banda kala.
Alors, Tobandi Kosangana, nous sommes à 89. Tant que nous avons à Kinshasa, et coïncidé pena ouverture et espace politique depuis le 24 avril 1990, dans le Kinaye, Babi Sikawapi, Kosangana, moi en tant qu'habitant à Kingabwa, nous avons commandé la cellule Mbamu 1 qui existe jusqu'à ce jour. En ce moment-là, nous avions Papa Tshimbolele là comme président. Et moi j'étais un membre. Gravir ba échelon, na comme une organisation, na comme président cellulaire. Na longue la cellule, batiniga na section. Section na bandi toujours, na organisation, pof, na yeko comme président sectionnaire, ou tabambou le belé. Jusqu'au moment où nous allons aux élections, il y a 2018. Alors, après cela, ma kabouye koleka moi mingi, je crois que ma présence sectionnaire, ou ya Kinshasa, ba yebi mokolo ya. Enterrement, il y a fait Etienne, toujours qui occasion à cause la réunion, Torbino, le parti ne marche pas. Je parle bien en 2019. Il y avait après la mort. Après la mort, après l'enterrement. Après l'enterrement des. Les jours de l'enterrement, nous avons tenu une réunion du côté de 1, 2, 3 avec plusieurs présidents sectionnaires de la ville prophète de Kinshasa. Et, la souka réunion, on a toyokanaki, non, tout le kamokolo, tout kita, n'a scellé. Papa, parce que ces jours-là, nous n'avons pas déposé une gerbe de fleurs. Toya qui l'ango tozongi non. On a l'époque Jean-Marc Kabunda Zalaki. Jean-Marc. Abanaki je quel rôle à l'époque. C'est chez au présent Haï. Donc il était déjà co-président Haï en ce moment-là. Maintenant, Tokiti na Moussole, vraiment avec un groupe de ya cadre de base, Ndengeto Tobenga kana UDPS, nous avons fait une déclaration. C'était le 29 juin 2019. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que nous avions déjà vu le mot clé dans la déclaration, c'était la restructuration du parti. J'en ai payé le frais. Pendant que la déclaration passe sur Top Congo, je reçois l'appel du président Jean-Marc. Il a dit, mais je viens de vous suivre. Est-ce que c'est une rébellion? Moi, j'ai dit, ce n'est pas une rébellion, c'est une expression libre, comme le veut l'UDPS. Hein? Et nous sommes restés comme ça, très froid. Moi, j'étais son directeur de campagne, mais constaté que, après la prise de pouvoir, je n'ai obtenu aucune récompense jusqu'à ce jour. Qu'à cela ne tienne. Alors, nous tous là, nous avons au lobby, le secrétaire général Ming. Oui, dans l'histoire, le secrétaire Tobosanate. Partons du premier secrétaire général de l'UDPS, le docteur Mpongo. Comment Mpongo est parti? L'AFDEL entre, Mpongo propose façon le mort, façon le mou, c'est-à-dire que tout ça, on dirait tout ça l'été. Un parti de combat comme l'UDPS, un parti qui a combattu la dictature au Sengi Batu. Basa le corps qui basalité, bala la pongi, parce qu'il y a un nouveau pouvoir, de sur quoi le pouvoir de l'AFDEL. La base a estimé que c'était un désaveu par rapport, c'était une rétractation par rapport au combat que nous menions, le combat de la recherche et la liberté. C'est ainsi que une délégation est allée voir le président et la masse est partie et le président était devant un fait. Il fallait demander au secrétaire général de démissionner, chose qui fut faite. Voilà un peu dans l'histoire. L'histoire récente que vous devez connaître, c'est celle de Mavungu. Voilà. Donc, c'est cet esprit-là. Bengana et Pena Valokola Mouibi, Pena Sotamur. Même secrétaire général, il n'y a pas de politique. Il n'y a rien de nouveau dans ce. Donc, Jacques Chabani, Bengana, Tolandi Kabou est radié. Et les lui, il y a un problème avec Kabound. Non, pas Kabouya, mais Kabound. Kabound, Kabound, je connais bien la situation. J'étais à la session extraordinaire. Donc, ça, c'est ça l'identité, l'élu de PES. Donc, Bakoukakako supporter Moutoua Kambabangote autant, voilà. Autant d'années. Vous créez toujours. Nous sommes. Non. Pas que Moutoua Kambabi c'était autant d'années. Non, non, c'est pas ça le problème. Le problème, Nako Kambanayo, est-ce que. Autant la paix que Baninga Bazali. Est-ce que vous allez respecter Mibeko? Parce que Bitoumanabi, vous allez fonder sur le respect de texte. Dès lors que, au tiquel de la logique, il y a qu'on respecte ma commis, au tiquel de la logique, il y a qu'on respecte, puisque à lui de PES, il y a l'égalité des membres. Hiérarchie à ma membre, c'est l'égalité des membres. Nous sommes tous égaux devant nos droits et devant nos obligations. Hein? Ça, c'est une des obligations.
Alors, son moni bato a tel, c'est-à-dire quoi? Quand les gens accumulent, mais non, oyo eleki, tikatoloba. Mais pour moi, je me réjouis avec le groupe qui était avec moi le 29 juin au mausolée, to banda qui combat. To seule expression libre, libanda, ça nous a coûté ce qui nous a coûté. Bayebi oyo, bakolan démission, bayebinga, na bandi de pèse les pression, pression, la vidéo, yaonde sa yékele, kabunda bima. On doit être clair de tout ça. Puisque... Il s'est passé beaucoup de temps, mais déjà à partir de la action, c'est-à-dire que nous avions posé le base pour la tina ya combat ya Otobenga Kibiso et retour à l'égalité. Hein? Nous avons posé les bases. Alors, Oyebi, quand vous êtes sur le terrain des combats politiques, il y a un élément important, ce sont les moyens. Ceux qui ont le moyen aujourd'hui peuvent instrumentaliser la police. Éventuellement, c'est n'importe qui. Donc, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer tel que nous le faisions quand nous étions dans l'opposition. Hein? C'est un peu ça, vouloir faire taire les gens, et ça la capiente. Alors, topoussi, t'as commis la situation où ils allaient. Je crois peut-être que nous avons eu la crise. Crise pour la situation. Non, moi, j'aimerais tout d'abord voilà. Communiquer, puisque avec Kabound, Tango Akendaki, je ne sais pas, j'aimerais, oui, ça va congolais, dans quelles conditions Augustin Kabouya s'est retrouvé. La ministre a joué le rôle comme président U. Entre temps, il est secrétaire général. J'aimerais être sincère. Il faudrait que les Congolais et les Zolanda soient bien. Il y a eu une session, je crois que c'était le 29 janvier 2022, si je ne me trompe pas. Session extraordinaire, il y a CDP, la Commission démocratique permanente, dirigée par le président Victor Wankwenda. Session Wana et Salemi, De Yango et De Metaki, Jean-Marc Kabound, PE relevé Augustin Kabouya comme secrétaire général. C'est comme ça qu'il est devenu, de manière officielle et légale. Hein? Donc, désigné par lors de la session extraordinaire de la CDP du 29 janvier 2022. Voilà comment il est devenu. Bon, Oyeye Simayaba, président AI et consort, ça je ne sais pas, parce que statut Yangoyo, président AI et Zawapi, je ne sais pas. Bref, mais Kabound a combattu présent à Indengeni. Ce qui statue est reconnaître à côté. Mais toujours madame, il s'est autoproclamé président à Ina statue et Zatei. La statue, qu'est-ce qui est prévu en cas d'absence, hein? Bien que, Bazo Pesango, 30 jours. Quand vous allez à l'article 26 de nos statuts, hein? Donc, Essengeli, total, dans 30 jours, avant d'organiser Milouli Moussousou, hein? Comment le parti peut être dirigé. Les Alaki, président de la République, Antoine Tshisekedi, Dinde Moutapé, c'est tant qu'il y a accueilli, à l'objet qui était comme ça, toi, tu dois d'abord assumer responsabilité comme président. Bon, je ne sais pas. Nabassou, c'est Bélé, tu auras bon goût. J'aimerais que Yomoko ait mis ça. Mais je ne sais pas le mandat. Est-ce que le mandat spécial désigne quelqu'un comme président AI, le mandat? Parce que mais je sais que la statue est athée. Donc, mais c'est selon plusieurs sources, il semblait que c'était le chef de l'État. Il m'a connu Moutapé, c'est que l'autorisation qui était Kabunda joué rôle comme c'est comme c'est, président AI. Je n'aimerais pas que nous revenions sur le détail pour toutes les circonstances dans lesquelles Makamou et Salama. Hein? Je crois que les grands acteurs de ce moment-là sont connus, notamment Maître Peter Kasati. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Bako Pesayo qui président AI au métier, parce que vous posez les actes en tant que président. Mais maintenant, quel est le rôle principal que doit jouer un président? Ça, c'est d'après moi. Il faut savoir fédérer les forces. C'est ce qui a manqué aux dirigeants de l'UDPS, hein, qui sont restés jusqu'à Giro. La fédération. Il faut fédérer toutes les forces. Mais par contre, qu'est-ce que font les gens? C'est diviser pour bien régner. Voilà la difficulté de Tosanango. J'aimerais, avant peut-être Masolo, okay. Je vais revenir sur un élément. Voilà, je prends la circulaire 002. Ce sont des éléments de documents de base signés par Étienne Tshisekedi le 20 juin 2013. Circulaire 002,
de l'UDPS, par ainsi de suite, je dispense les gens de ça, du 20 juin, relative au fonctionnement des structures au sein du parti, à tous les organes du parti, à tous les membres de l'UDPS. Le fonctionnement de l'UDPS est régi par les statuts et règlements intérieurs du parti. La présente circulaire vise à circonscrire l'esprit dont devraient s'imprégner à tous les niveaux les animateurs de tous les organes du parti, de la base au sommet pour leur bonne marche. Conformément aux principes et valeurs qui sous-tendent notre combat et qui fondent notre vision, chaque responsable doit privilégier l'entente, favoriser une franche et harmonieuse collaboration dans l'exercice de ses fonctions et les entretenir dans la gestion et l'animation de l'organe dont il est membre. Collaboration. Mais parmi les accusations, il y a secrétaire national. Il y a cette histoire, la non-collaboration. Qu'est-ce que tu appelles la collaboration? Collaboration ou collaboration? J'aimerais vraiment te passer avec lui. Mais n'allons pas dans le niveau du parti. Comprenons le concept de manière générale. Je suis enseignant de management organisationnel. Hein? Donc, quand on dit collaboration, je comprends ce que ça veut dire. Non, tu as dit qu'on oublie la collaboration. Mais non, d'abord, avant de la manière. Dans la quatrième partie, il faut tout ce dictionnaire, à ce dictionnaire, toujours il y a des collaborations, il faut se demander. Collaboration, c'est l'in colbani. On me dit quand on fait une structure organique, il y a ce que nous appelons les lignes hiérarchiques. Et ce que nous appelons les lignes, hein, les lignes qui sont horizontales, qui sont des lignes fonctionnelles, des collaborations. C'est-à-dire que ce qui est Kambo, hein, Otali Oyazali, n'a même niveau que Yo, Bovandi, Bosolodi, même Oyo, Azali, n'a c'est l'homme qui dépend, na, donc qui est dans le cursus de la décision que Bouyou Bosoa, Bouyou Kibango, Ndesima, Bouyou Bosoa, Mokano. C'est ça la collaboration. Échange avant de décider. Donc c'est pas donc l'opposé, c'est quoi? Non collaborer, c'est une décision personnelle à tout instant. Hmm? Voilà un peu ce que nous devons comprendre. Alors, maintenant, tu dis, c'est la même chose. Bah, organe, il y a même si quelqu'un est là pour faire la coordination des organes, mais ils sont gali malamu, koyoka, bah, organe, wana, nini, hein, et sengeli, kosala, dans les kambo, tout ça, n'y a pas de soubalobi, et maintenant, vous vous prenez une décision qui est une décision d'ensemble. D'ailleurs, t'encourages à Kabatou. Ça, c'est d'après les enseignements que nous avons reçus avec les Japonais, que la bonne décision, c'est une décision de collaboration. Ça ne sera pas la décision du chef, mais la décision de l'équipe. Alors, je n'ai pas fini. Okay. Il y a un élément important. Il va sans dire que la concertation et l'esprit d'équipe, ça c'est Étienne Tshisekedi, devraient primer dans la gestion et la prise de décision. Parce qu'il ne faudra pas venir ici parler sans document. Étienne continue. Cette méthodologie éviterait la suspicion, le tiraillement, la discorde qui empêche le dynamisme et l'efficacité attendue dans l'action de chaque organe du parti. Au demeurant, la transparence et la bonne gouvernance doivent être de stricte application. Hein? Ça, c'est Étienne. Donc, cette circulaire doit être comme un élément de référence dans l'esprit de chaque membre du parti. Alors, qu'est-ce que les gens accusent? Bah, toi, c'est lui qui a accusé que mon conseil est exécutif. C'est lui qui a eu la décision, il est mort. Bah, sorti mon soutien médiatique, il est mort. J'aimerais, il y a une question à Zoli, maintenant, tout n'a eu. Et maintenant, et aujourd'hui, sur ce plateau, il faut relever l'actualité. C'est le dossier UDPS avec Augustin Kabouya comme secrétaire général. Dites-nous, vous allez vous reprocher Augustin Kabouya. Nanini, exactement. J'aimerais que je sois précis dans les propos. D'accord. Reproche Bandi Nabakon, frère Naye, il y a exécutif. Monsieur Tozali, ma membre à base. Hein? Donc, cellule, section, Tozali, ma membre à base. Exécutif, Malobi, non. Touloukito, Sonolopon, Atina, Makambo, Tambola, mais à Pespisson, c'est là. Un exécutif. Ça, c'est l'exécutif. Mais okay. C'est parti de là, puisque docteur Eteni, Oazui, Étendard, Liboso, Bato, ça, membre exécutif. Hein? Peut-être qu'à la fin, nous aurons peut-être des conseils à donner aux uns et aux autres. Okay. Hein? Parce que Tolingi était que Ndakunabiso et Zika. Voilà. C'est à partir de ça. Maintenant, Bango Bazali n'a pas expliqué, mas où il y a eu des pestes, ce qui se passe. Ceux qui sont au Télémi, ils ont pour Naboy. Entre autres, pour Natina, il y a eu Tolukito Solola.
Ya bibi sauté. Ton talisi était ma cabine yo sosara sosana ndenge na yomoko yomoko nous a secrétaire général yomoko porte-parole donc ma cambodjo sokaka yomoko hein comme si na exécutif wana ozali kaka yomoko ça ce sont des reproches oye uti na baye basangana kanayi biso to sangana kanayi te biso soto yaka ezali peut-être pour na koyoka orientation toyi à travers ba matinée politique ainsi de suite donc c'est parti de là alors ndeye ko créer parce que mon quand seliboyo uti koloba kolobango on a ibandeli et ça là yo parce que vous avez reçu des gens qui sont de l'obédience et du secrétaire général Augustin qui les soutient alors ba mosusu o bazali obédience contraire c'est ça maintenant les tiraillements oui c'est ça et c'est ça que to batwa bengi crise alors que so tali circulaire no uti kotanga ba si ba lobaki le kambo tiraillement est-ce que nos cadres ont le temps de s'imprégner de ces écrits? Les écrits de 2013, il y a de cela 11 ans. Hein? C'est-à-dire que notre président, Étienne Tshisekedi, avait déjà une vision hein, qui parle des choses en 2013 et ces choses-là se retrouvent sur le terrain en 2024. C'est puisque de votre côté, à des fois, vous allez reprocher Jean-Marc Kabound que certes Otiko Lobango que non Jean-Marc Kabound Augustin Kabouya plutôt il a presque non s'il vous plaît il a tout centré Azignon son à Maboko au lieu mon secrétaire général exécutif ce qu'on ne suis pas l'exécutif voilà le cola cadre ton membre il y a eu deux pèses vous allez qu'on reprocher nani c'est non Yomoko très bien moi en ce qui me concerne je reproche une chose. Le sens de l'écoute. Le sens de. Oyebi, le management, tango, école moko botami na management, ou bien l'école de relations humaines. Et botami na sens. Bah, mais l'enquête, parce qu'une entreprise bien assise là, mais ils ont fonctionné. Il ne manquait qu'une chose, la considération de l'autre. Hein? Considération de l'école banine. Mais vous ne donnez jamais l'occasion à faire valoir Oyayebi pour la fonction de votre avancement est parti. Hein? C'est cela que nous reprochons. Je vais vous donner un exemple pratique, même pour nos ministres qui sont en fonction. Vais vous donner un exemple. De l'UDPS. Le ministre, de manière générale, et peut-être de l'UDPS de manière particulière. D'accord. Le ministre estime que lorsqu'ils prennent un ministère, qu'ils ont seul la solution des problèmes de leur ministère. J'ai dit non. Non, vous n'avez pas l'appareil du savoir, il n'y a pas de problème ça qu'on rencontre. Il faut être ouvert. Hein? C'est la même chose au sein du parti. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Je reviens à une institution de taille au sein de l'UDPS. L'école du parti. Vous à l'aise. Autant qu'il a mis ça, sur quel point Makambozo Tamboulaté n'a parti avec Kabound. Avec Kabound, il y a plus tôt. Qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai dit, la première des choses, le sens de l'écoute. Hein? Les gens peuvent croire qu'ils ont l'apparage. Il y a ma solution. Là, tu as répété au collaborateur dans le lobby. Non. C'est ça que tu as dit que ma collaborateur dans le lobby. Moi, j'aimerais ce que Yomoko. Dans le lobby, boy. Tant que je suis en réunion, je suis en réunion. Je suis en réunion. Constaté. Ok. Sens et à écoute. Sens et à échange. Hein? Et le quoi les alités. Et en plus, gestion quotidienne y a partie. Ça, nous le disons. Nous sommes la structure de base. Hein? Tout cela qui peut vivre Makambo autrement, depuis une certaine époque. Et on remarquait que depuis un temps, Batoualou Belakango Mikolodio, je ne sais pas s'il faut que le répéter. Absence, il y a carte, il y a membre. Il te pèse, il y a carte, il y a membre. Et puis en plus, mais pour la carte, autrefois présenté à Bissot Machine Moro, j'étais Nazara na Maxime Moko. Il avait présenté à Machine Moro pour le bien. Lento, Machine Moro, lui, au lieu de ne couper sa mort, le bien d'entreprise. Machine était dans l'obéi de Kamba carte. C'est ce que j'ai dit, Machine Moro. Machine a aidé pour produire carte. Selon lui, il a fait passer. Ça doit fonctionner. Ouais. Ça doit fonctionner. Ça doit pas rester des promesses élastiques, puis. Sans fin. Hein? Alors, cette collaboration, maintenant, il y a la structure de base. Donc, vous savez, aux huit comportements, on a, ça descend. Même au niveau de la fédération, il y a des fédéraux qui estiment qu'ils sont devenus des rois propriétaires du parti, qui n'écoutent pas.
Hein? Et aujourd'hui, parti est commis moto na moto à Sala, Ndenge Azali Komona. La difficulté que nous avons encore aujourd'hui, et Zali, pour la bande de Kobasso Yassika, le col de la partie Zali, parce que ça a imprégné la philosophie à partir de. Je vais appeler les Kouyakouya. Ceux qui, ça, c'est un peu minimisant. Un parti politique a la capacité de recruter à chaque instant. Mmh. Et comme l'UDP c'est générationnel, nous devons recruter. Moi, je n'ai pas connu ça. Comme nous sommes à Bango, les combattants de 100 jours, c'est péjoratif. Je n'aime pas ça. Ce sont des combattants, chacun arrive selon son âge. Okay. Et à l'époque, il a appris que l'UDP existe. Bissot, il est tombé à 82. Hein? Mais tant qu'il est à 89, on ne s'est pas appelé Kouyakouya. Hein? C'est ça la capacité de recruter. Ça, je laisse la liberté d'avoir besoin d'utiliser le vocabulaire. Hein? Alors, il faut malam tout imprégner Bango, philosophie à travers les codes du parti. Cette école ne fonctionne plus. Pour la nine, comme il y a le langage, nous avons connu un seul langage, les combats pour le texte, le respect des textes. Mais le lot, ce n'est plus ça. Hein, au Yébi, c'est que cela a donné un concept un peu honteux, hein, de Tosa Obika. Hein, voilà un peu. Donc, ce qu'on t'a cité au Obigate. Ah, mais c'est ce qui est regrettable. Mmh. Un parti comme le nôtre. Mais c'est ce qui s'est dit. Pas, un parti comme le nôtre, il ne faudra pas que cette philosophie-là s'imprégne dans la bâtonnion, sinon. Nous devons évacuer ça. Nous demandons. Bon, ça, c'est peut-être dans la partie où nous allons émettre de vœux. Hein? Donc, bref, c'est un peu ça. C'est-à-dire quoi? La confiscation des pouvoirs, la monopolisation telle que les autres l'ont dit. Donc, nous faisions mienne, je fais mienne, position prise par les nationaux. Mais même si, okay, je peux dire que Augustin Kabuya n'est pas un diable, il y a ça dans ma campagne à Kitoko, il y a ça. Tant que vous avez dit que des fois, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que pourquoi? Parce que le Makambo collaboration, je t'ai suivi, tu as parlé Makambo esprit d'équipe. Mais l'élo depuis IDPS est au pouvoir. Puisque Félix Tshisekedi Azali produit à IDPS. Okay. L'élo au Koutaba ministre à IDPS Bazali. Ba DG à IDPS Bazali. Ba Toana Azui Bangondengenin. Et puis au Koutaba, c'est parmi les membres to Bamsou Bazali, ba cadre effectif, il y a parti. Puisque, ah, yo, zali, ko, le makambo, collaboration, exacte, est-ce que, bah, toi, n'a qu'un de vos bango, libanda, pour être, bah, ça va pas, c'est ton dernier. Je ne sais pas si nous devons extrapoler le concept de collaboration à un niveau où on a un choix, il y a un animateur. Collaboration plus pour la conduite des affaires, il y a eu de passe. Bon, concernant le choix des animateurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Bah, collègues, si on peut les appeler ainsi. Ma collègue, même s'il est le primo minter paresse, il y a ba nationaux moussous, hein, comme secrétaire général, ba tonaïa sangisakana exécutif, n'est pas lobby qu'il y a le clientélisme. Clientélisme, c'est l'incolo bakeu bisika, bakeu koutia, donc membre y a parti, donc bakeu un client, hein, venant d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Ezali. Comme qui, par exemple? Non, par rapport à Bato Bazo le Bohana, comme qui par exemple. Non, nous voulons, il faut qu'il y ait quand même au moins attendre la justice les lots, puisque nous sommes suivis, il y a eu des milliers de personnes Bazali Kolandabiso, monsieur Donancien Moubiaï, Bazali Kolandabiso de partout. Ok. Vous allez quoi acquiser les lots, que clientisme, mes alliés. Na makambo ba poste azali ko monaye lelo tozali ko mona bato ya bato ba to bundisa kilobi lelo ndi bangonde mutu bazali ko régner toujours bazali ko pesa imbon. J'aimerais faut tous ala quand même précis. Oh, il faut que ça fait corrompre la population, puisque tant bazali ko le babongo, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas le cas. Je pense que peut-être public et kobo makambo azali ko le babongo, puisque tu n'as pas. Moi, j'aimerais que tu offres ça la part de choto, ça l'amalgamte. Au lobby Bazali ko accusé, je fais la part des choses. Ton zala ba écrit à exécutif. Moi, je ne suis pas de l'exécutif. Hein? C'est clair. Exécutif, ba lobby parmi les accusations, le clientélisme. Alors, j'ai expliqué ce qu'on entend par le clientélisme. Alors, vous me demandez s'il y a une preuve. Je crois qu'il serait le mieux placé, ba ton exécutif, pour faire sa preuve que telle personne, telle autre. À ce que je sache, le lot, ton zala ba membre, il y a eu de PES, au bazar occupé, ba. Il y a un ministère. Je ne sais pas
est-ce que je vais nier la qualité de ces gens-là pour être membre? Il faut être prudent par rapport à ces faits. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes, je crois, en 2012. Le président Étienne restructure la composition de l'exécutif du parti. Et moi, quelqu'un m'apprend que la poste Moko Bachiaki, le poste à l'intérieur, hein, on appelle l'organisation, qui a fait quelqu'un, pour nommer Batouna niveau la structure de base, Bapé Sakayembongo. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'ai dit en 2012. Quelqu'un m'appelle, il me dit, mets-toi là, observez, vous allez, comment on a ma cambo collègue. Je vis quelqu'un qui était chargé de l'organisation prendre contact avec des gens. Bon, Namoni, Babilo, que le col enveloppe la musique, tu vas dire, ce qui a joué à Kofongolate, à Tcheboy, dans le monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, président Etienne. Président Etienne a été Singaboui. Alors, il y a un peu de temps. Na kotuno mutuno moko pesanga kombo ya un président cellulaire ya section ya Mongafula par exemple section moko ya Mongafula un président cellulaire le nom je dis ah moi je suis pas de Mongafula c'est difficile ah, c'est la difficulté que nous avons nous fonctionnons avec les propositions de nos collaborateurs au basé qu'on propose biso mais parfois nous nommons des gens au biso tozo ebate hein qu'est-ce que je veux dire par là. Nous pouvons prétendre, on dit que poste, il y a parti, il y a le bien à m'entoyer de peste. Mais est-ce que y a eu m'entoyer de peste nous? Hein? Sur ce point, j'ai de réserve. Azo Kataote. Ah. J'ai participé plusieurs fois en tant que comme journaliste dans la matinée politique à Augustin Kabuya. Na sali tourné à Kinshasa avec Augustin Kabuya na azo que nous visiter ba cellule. Tokendaki na Lemba, c'est la Réunion, to tambolaka. Je pense que azali bisika za na zopesa mbota ebi, to tambola na emingi. To lekisa pe ba image. Qu'est-ce qu'il disait? Abanda ko senga na président ya ba section, ba président ba cellule que on doit leo to na pouvoir. Souci na biso eza que chaque membre ayi de pe sa iba ko se retrouver. Donc poto ba kete muto azali muto ayi de pe, il faut aller ka na cellule a salenini a koma kombo na ye na liste présent ko reconnaître si réellement ya na ba na ba réunion et puis soko komi kombo et puis si y aura otiki CV et autres et en cas de besoin tant que to komo na kete na poste tel bazali ko lokamo tel on va te prendre sans problème. Puisque tant que vous avez une collaboration, je ne vais pas dans ce souvent, dans ce comme tel, vous ne voyez pas que, à des fois, Kabuya est ouvert. Mais peut-être c'est comme si, Bino, vous avez une agenda caché. Très bien. Naïpte, quand vous avez le biso, vous me mettez dans quel camp peut-être? Non, lobby, non, non, je l'ai dit, c'est puisque lobby, il y avait un point de presse. Oui, voilà. Salemaki, Kuna na Boboto, na Gombe. Bo désavouaki, Augustin Kabuya vis-à-vis, il y a gestion naïe, na parti politique au quotidien. Très bien. La point de presse, Zalaki doyen d'âge, il y a Banani, il y a le secteur national, Atenaki point de presse. Le désaveu, et Salamaki, ou Anate, ici, et Salamaka. Bah, comment Mokanda, signé par le membre, il y a exécutif national. Hein? Le désaveu, c'est qu'il a saleté. Batobaya qui n'a saleté, c'est Pobayoka, point de presse. Il faut que tout ça, tout clarifier, place. Mais il y avait déjà un désaveu qui a été fait bien avant. Ce désaveu-là est créé déjà scission entre le groupe proche, il y a Augustin, entre le groupe contre Augustin. Et ce groupe contre Augustin, c'est avec, en tête, Bato Yomona qui va organiser et Lokoan. Entre autres, Bato Azali qui chargé d'organisation, Loko Ababi. Ababi Azali qui n'a exécutif avec Augustin Kabuya. Bref, je ne fais pas. Que... Toi aussi, tu t'es fait. Je ne suis pas de l'exécutif. Tu faisais partie. J'étais là. Okay. Parce que tout ce qui s'est. J'ai fait à la matinée. Présence, ça veut dire que. Et au Banda pour soutenir l'idée Nabango. C'est ce qu'il faisait. Bon, je peux soutenir l'idée que Makambo est en bas là. Hein? Puisque les choses ne marchent pas. C'est ça que je soutiens. Mais la manière de faire. Et ça dit Bango va décider. Tant que va décider, qu'il va doyen d'âge, on ne nous a pas consulté. Hein? Ouais, mais en tant que membre de l'UDP, place nous sur le Kabuya de Pesso seulement. Quand j'ai le temps, j'y vais. Mon temps qu'interdit, nous gagnons. Hein? L'Obinayo qui, pour de Pesso, Bina Kendenayoka. Hein?
Alors, il y a eu un point de presse d'ailleurs, moto a dirigé qui a répondu à la question de l'étoyen d'âge. Il y a eu un cas comme minimisé à l'objet de la crise. Hein? Lui parle d'un désaccord. Ce n'est pas ce qu'on s'en a qui attention. Hein? Il n'a pas voulu qu'on évoque le concept de crise. Hein? Par contre, partout, on parle de la crise. Alors, bref, Bato Bazala Kiwana, c'est un corps, c'est de l'exécutif. Je ne suis pas de l'exécutif. Hein? Là, il y a une structure de base. Alors, la structure de base, c'est-à-dire quoi? Ton sapé, la base cellule, ton sapé, la section, mon colonzan bakolinga, ton kosanganapé, ton mito dans l'autre niveau, boyo qui exécutif à lobby. Bisho, ton solo bas, nin, ton nan, ton sali en côté. Voilà, donc je ne veux pas, moi, prendre corps avec eux, alors je ne suis pas du corps. Donc il faudrait que la salle, c'est ça la politique. Hein? Je ne suis pas du corps, naïe, écoutez, bango. Je veux ramener cela dans une structure nanga de base. Mais ni par rapport à la situation. Ici, quand papa était dans Zali, Je viens de vous lire ce qu'il avait préconisé. Il est en train de pleurer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans Katia de Pes. Je viens de vous lire, même si les gens ont difficile à comprendre, à supporter ou à prendre ce courage-là de dire qu'il y a crise. Puisque j'ai entendu hier, il y a peut-être ceux qui ont âge pour pas y sango. Ce que mon a déjà que sur la considération et la situation. Non, j'ai trouvé que l'obi, il est dans encore. Mituka et Belé. Moi, ce que je dis là, c'est très important. Celui qui prend la parole ne veut pas évoquer la crise. Hein? Il parle plutôt. Est-ce qu'il avait raison, crise exacte. C'est d'après normalement. Lui. Hein? Mais pour moi, il y a crise. Ça, c'est mon point de vue. Parce que Tosali n'a pas conçu. C'est comme aujourd'hui au gouvernement. Un groupe va télémi, va désavouer le Premier ministre. Mais il y a une crise au niveau du gouvernement. Prenons le secrétaire général comme étant le Premier ministre d'un gouvernement. Hein? Mais est-ce que Tokoyu a minimisé Yango? J'avais entendu. Notre présence ne dit absolument rien. J'ai vu dans cette salle ma fondateur Bazala Kiwan. Hein? Dans cette salle. Donc, tout ce qui concerne l'UDPS, nous devons aller pour écouter. Hein? Okay. À la matinée, je vais aller. C'est là que je dis que je suis totalement d'accord. Avec lui. Rencontre nous sa partie. Non, aucun des. Cela ne veut pas dire que je suis totalement d'accord avec ce qui se passe. Aujourd'hui, Augustin Kabuya a pessi UDPS, to Félix Tshisekedi. Majorité parlementaire. Il a beaucoup travaillé pendant tout ce temps en campagne électorale. Bah député Babimi, bah sénateur P. Babimi. Bah mandataire P. Belé Babimi. N'a compte à IDPS. Okay. Aujourd'hui, nous avons des ministres IDPS. Est-ce que pensez-vous que Obino Bozali Koulukawana, attendez-vous Ozali Koulinga, Omi Bimisate, Oyo, Lelo Bato Bazali Koulukapéna, Ba Nationowana et les autres, pour être Kabuya, Aéba Koulungwana Poste, pensez-vous que Félix Tshisekedi sera d'accord? Bien, il faut reconnaître quand même le travail fait. Baji Jacopé, Ngonga Moussous Moto, la réalisation. Hein? Je dois être humble, je dois reconnaître que ton une majorité. Je dois reconnaître que les lots, dans le niveau, il y a bah, instance presque non seul dans les députés provinciaux. Provinciaux, d'ailleurs, il n'y a aucun député, il y a opposition. Il y a national. C'est le côté grandement positif. Il y a Sali, mais Tobo Sanate a Sali envoyé mon côté. Une de plus, la Katia Yango, et la structure Tobengi CEP. Donc, commission électorale. Permanente. Oui, quand même, dirigé par Chabali. Okay. Donc, félicitations à eux deux pour la Moussala Bango Basali. Alors, est-ce que ceux qui t'ont sali, nous salent aujourd'hui, députés, ils ont payé sa bise auto réfléchir pour l'avenir. Si je m'en tiens seulement, naoué ou naoué kaki lobby, que batoua sala qui démarche, baninga naïe, bamonaïe, bakomélié, c'est là où j'évoque la question des collaborations. Na niveau ya organe wana exécutif. Aboye koyo kabango de bango ba monique non trop c'est trop makambo bi malibanda batunyon soba bayeba. Voilà. Donc il faudra tout situer les kambo. Pour batoa les alliés exécutifs. Exécutif bien que ba toyo koyo ka déclaration et outil bipai na bipai. Ba structure belle. Il y a libanda, il y a quatre pour ba désavouer Augustin Kabuya.
Là, c'est-à-dire quoi? Balandi, Makanisio Outina, exécutif. Alors, à mon niveau, parce que vous souhaitez vraiment que nous soyons en position, nous sommes en position. Donc, il y a une minute, tu n'as aucune position. J'ai dit ceci, je suis respectueux. Il y a un point de vue à Baninga. Et ça là-bas, on va quoi encourager Augustin Kabouya. Et ça là-bas, on va aller quoi encourager. Non, tu es au milieu. La structure, on a la Zali. On a structuré. La base, où il y a Kingabwa. La section, où il y a Kingabwa. Position, la section, il y a Kingabwa vis-à-vis Augustin Kabouya et Zandengen. Non, on ne va pas se positionner. Voilà. Donc, je ne vais pas ici aller vite en besogne. Abidjan présent que qu'on engage des autres pour mandaté. Donc ils observent non. Ah, aux observations. Non non, nous allons nous retrouver. Et ça là beaucoup de choses à prévoir que tout confondre. Mais tout solo la preuve. Mais comment ça connaît que bien le lobby. Où tu connais bisanga que bino bozali parmi les précurseurs il y a combat au. Bino dit mon tour bandaki n'a juste après combat. Juste après l'enterrement il y a Félix Tshisekedi. Donc ce que les alliés continuer ça veut dire que bino dit mon tour bandaki comment ça fait-il que Bobandi combat il y a eu qu'on s'est retiré au lobby qui était la ministre. Mais je suis en train d'observer le combat on a d'abord. Lorsqu'on s'observe, maninga les alliés qu'on poursuit avec le combat. L'étape du combat. Le premier combat, c'était contre Jean-Marc, en 2019. C'est Jean-Marc qui était secrétaire général président AI. Donc, ok, en 2019. Et nous sommes dit, voyez, danger, Zali. Ton Koutani, ton lobby, ton lobaki, ton sa déclaré, ton signe restructuration. En 2019, Jean-Marc a tourné, est-ce que ce n'est pas une rébellion? On a besoin de rébellion, c'est une expression libre, il y a base. Voilà, étape pour aller, qui Toké Jean-Marc Alongwe, pour nous c'était déjà presque l'aboutissement. Il y a combat au Bissoto, Tobandaki. Alors, Sogi Baninga Lelo, Basongeli combat, puisque la cocité va combat Batote, ils ont la Bao Yubisoto. Vous trahissez Bangoli ça? Non. Ce n'est pas une trahison. Je ne peux pas. Tobangi Obangi Augustin Kabouya, Obangi Kozala, vraiment clair envers lui qui était. Voilà, c'est Kabouya. Voilà, c'est ce que nous évitons, Oye, sans consulter les autres bandits qu'on aura décision. Je ne suis pas un dictateur. Tant que tu as point de vue, na bokoye bayango. S'il faudra que nous revenions à la presse, nous dirons voilà, maintenant le point de vue de la section Kingabo. Le point de vue peut-être Yahweh Otobenga, peut-être que ce n'est pas statutaire. Otobenga, donc le fédération opérationnelle pendant le combat Tosa Kosala contre Jean-Marc. On avait mis en place la fédération opérationnelle. Ça veut dire quoi? Bah oui, bandima qui combine polele, qu'on soutenir l'égalité et sous la conduite du président Victor Nkwenda comme membre, il y a président, il y a CDP. Voilà, ça c'était une étape. Je ne fais pas que ça la mélange à ma étape. Alors, maintenant que tout ce qui s'est passé se passe, t'as vu ton Kokutana. Puisque normalement, bah, c'est ça la kaba samedi ou bah, dimanche. T'as vu ton Kokutana, dès ton copain, ça, t'as vu ça la restitution. Nous allons écouter et nous prendrons une décision d'ensemble. Si aujourd'hui, moi, je me prononce avant cette réunion-là, c'est une anarchie. Mais là, je vais reprocher Batou. Mais là, la gestion personnalisée. Mais là, jusqu'à présent, président, il y a CDP, monsieur Augustin Bani Seya. Ce n'est pas lui? Présent, il y a CDP, oui. Il y a CDP, okay. Avec CEP, avec Maître Chabani, Oazal et le ministre intérieur. Bazali, position n'a pas besoin de Bon, je n'ai tout ni bangote, je ne serai pas Chabani et ministre de l'Intérieur. Je crois que, en tant que ministre, position n'a pas difficile à Pessango comme membre du parti. Maintenant, il est ministre national. Vous avez cité Augustin Bani Seya. Voilà. La CDP. Je dis ceci. Peut-être tantôt comme on n'a pas proposition dans la nous devons commencer par unifier la CDP. Qui a été divisée. Avant le travail de Kisantou et avant celui que vous avez appelé le congrès de Ngandayala. CDP est comment divisé. Ce n'est pas l'image que nous présentons. Il faut qu'unifier CDP. CDP avec Wakwenda. Et les autres qui sont restés là. Il faut le mettre. Ils étaient ensemble. Ils doivent être ensemble. C'est là que nous demandons. Ceux qui ont la possibilité de le faire, Basala Yango. Ça va permettre à redorer l'image de notre parti. Parce que le nom est commis Wakwenda et Paye, Bango et Paye, c'est un peu compliqué. Et dès lors que nous resterons dans cette configuration-là et que la CDP affaiblit, CDP aux ordres,
c'est de péto sa obika. Alors évitons ça. Par ton courage, nakatuana ba kiti ça. Leur ego. Ba lukamoyen, ba toi sage, ba nakatena kotanga ba komena bangote. Il y a parmi eux des professeurs d'université. Alors, voilà. Soit courage, bavanda, baluka, comment ils peuvent se remettre ensemble pour te crise, oui. En dépit du fait que l'exécutif a été mis, il faut y avoir ce qu'il y a à la CDP. L'exécutif va pouvoir limiter. Je crois que okay. Ça, c'est une demande. Merci beaucoup. Mais ce qui m'a. Et là, on a moins à Kilobi. Puisque j'étais sur place, na Boboto, na moni bilongi abatu moko, ba onse soit sali ba déclaration, libo soit ba média et autres. Mais il y a tant aux alliés qu'au la mutoloko la ougi sen kabuya. Azali mutoyo a umeli mingi na katia UDPS. Kabuya bisika azali n'a jamais créé un mouvement na katia parti. Kabuya n'a jamais créé une structure quelconque, un regroupement, un parti politique ailleurs. Mais j'ai vu certaines personnes, nakati, y a point de presse à lobby, bazali kolobake, Kabuya, Ndengazana, a kokende de même manière avec Kabuya, kende de même manière avec Kabund. Ndengazana qui radie. Mais on se pose des questions. Nazoka, exemple, y a Kulutu Nangai, Sylvain Mutombo. Il y a RDT, les lots, tous les partis RPP, tous les regroupement RDT, on se pose des questions. Batouana Bangonde Moutou, Bazalaki na Katia Makambu, est-ce que Bazaliko soit ba positionnement, ba position na Katia Makambu en tant que ba membre, to ba cadre ya parti, to ba lié. Puisque des fois, ça, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas. Moutou, Salé déjà Makambu naye, les lots, Azaliko ya, Koutindi Kabatu Pouete, Kabuya. Très bien. Motomo côté Abungi, Sylvain Mutombo. La Katia Idepes. Sylvain Mutombo, jusqu'à la veille à l'élection 2018, il était membre du parti. Mais entre-temps, il a un regroupement avec un parti politique, RPP. Écoutez, j'y arrive. Avant à créer RDT, il était membre de l'Idepes. Mais Nakati a une stratégie à Ngongango. C'est ce qu'il avait fait. Et c'était une stratégie pour l'éloigner. Ou bah Sengaki et Kessala et Loko. Ou c'était quoi? Ça, je ne sais pas. Au lobby, que à cette déclaration, je n'ai pas été témoin de la déclaration. Mais ce qui est vrai. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ce qui est vrai que Mingi Baouti a eu de PES. Est-ce que le lot n'a tout na mutuna na ba toyo ba ba jui li bosa ba mosaïque ou yeke na ba élection 2023? Ah ouais. Sont-ils encore membres de l'UDPS ou basa sur ba membre de l'UDPS? Ça c'est une question. Moi je crois donc on trouve une solution dans notre côté congrès. Il faut mettre ça sur table. Nous sommes en train de créer des monstres oyo un jour et se retourner contre Bissau. Vous avez dit que Augustin Kabuya a dit que ça la mouvement mon côté. Avec une décision finale et autres. Comparativement na Jean-Marc. Oui, chacun a ses convictions. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir créé un autre mouvement, non. Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment le problème. Parce que Batouana, Basali mouvement, on a tout niqué à l'élo, Naza Komitouna, Bato Oyo, Baké, Naba Mosaïque, peuvent-ils se revendiquer Ils sont de l'UDPS. Ou ils sont en dehors de l'UDPS. C'est une stratégie utilisée. Ou soit on va Basalaki Bango Bongo Poké, Sima, Bayendexé Bango Bazaï, soit membre de l'UDPS. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est le contenu du discours. Quand quelqu'un dit que vous avez dit tout à l'heure, oh non, donc chasser le cola. Non, ça devient. C'est ce que j'ai dit. Ça devient. C'est ce que moi je vis ici. Mon point de vue, je ne dois pas le mettre comme étant le point de vue de tout le monde. Moi, je crois que pour te sauver parti, et singer les uns et les autres, bâtir moi maï na bafini na bango. Les uns et les autres, basons un sentiment normal. Les uns et les autres, même si je prendrai une position, ça c'est une position personnelle. Personnel, je n'influencerai pas les membres qui sont avec moi ou qui seront avec moi tant que toko vende. Quelle est ma position personnelle? C'est la sagesse de Salomon.
sagesse à Salomon Zanini, il faut sauver l'enfant. L'enfant Zanini, il a eu de peste. Est-ce qu'Augustin doit continuer à instrumentaliser les gens pour créer la division ? Entre groupe à Augustin et moi, ça n'honore pas le parti. Tu es pour ou contre le départ ? Il y a Augustin Kabouya. Moi, je suis pour son départ, mais de bonne manière. Quelle est la manière que lui-même comprenne ? Qu'il ne peut pas continuer à diriger les gens quand ces gens n'acceptent pas. Pourquoi ne pas présenter une démission ? Qu'en va-t-il perdre en le faisant ? Qu'est-ce qu'il va perdre ? Hein, en le faisant. Ça, c'est ma proposition. D'abord, unifier la CNDP, présenter la démission, donc le secrétaire qui présente sa démission, hein, et maintenant voir cette CNDP qui doit jouer un rôle. Parce que l'exécutif est limité. Exécutif, Azala Moto a désigné Ndenge Tomoni, le doyen d'âge, mais ça ne va pas s'arrêter. Hein? Il faudrait que le parti fonctionne. Hein? Je dis ça, c'est un conseil que je donne en tant que doyen. Dans mon colo, par rapport à Bawo et Tosoloba. Mazali ko senga bino ke botia botia na se ça c'est Augustin Kabouya qui l'a dit botia na se le pays traverse un moment très difficile avec le RSF bozo lingande bo déconcentrer Félix Tshisekedi na o Azali na ngo parce que o za base nae écoutez il voyait mais là qui était Félix Salou ka base sur quoi la minute il est déconcentré na makambo ko sala bozo aide été wa les allégations nae ce sont les mêmes allégations quand nous avions fait la déclaration au mausolée donc le 29 juin 2019 Abino, Bino, parce que nous avions dit ceci à la fin de la déclaration. 2023, c'est demain. Hein? Nous étions en 2019. Oh non, Bino Bosolinga, Baba Boto, le Félix, président sa partie, pour la 2023, Bosala Kangana Bino, Bosibambongo, X, Y, Bako Tang, le Bino Bato, Djame, Bokuta, la Bango. Hein? Qu'on nous mettons de côté ça. Hein? Totia Pembeni et Lokowana. Hein? Le fait, il y a que de présenter des missions, c'est-à-dire que partir Kokouf, et par contre, Okobi Magro, parce qu'aujourd'hui, bah, le groupe Wana, à le voir, Josala Kinasa, le monde bazar déterminé. Hein? Tout le monde est là, il y a que ça, mais c'est que nous, nous voulons. T'as l'ami, tu la présidence, c'est la raison de tout ça. Ouais, vous comprenez, il y a un mot qui s'allie comme ça. Le point était que Nabato Bazali Kosala. Moi, je n'ai pas pu voir puis, tout le véhicule. Voilà, nous, on était dehors, on a vu. Moi, j'ai fait mon véhicule. On est sur la ville de Sipla. Ok. Hein, pour donc éviter, bon, peut-être, je suis rentré là. Bien sûr, tout le monde a précision. Alors, ça, c'est mon point de vue maintenant. Ce point de vue, je ne veux pas qu'il influence le groupe qui va réfléchir avec moi. Moi, je veux, je souhaite que nous appliquions la sagesse de Salomon. Et c'est quoi la sagesse de Salomon? Devons sauver l'enfant UDPS. Que Augustin hein, rende l'établi. Qui dépose sa démission? Il ne perdra rien. Il a fait son temps. Nous avons apprécié les bonnes choses qui ont été faites avec. Mais c'est les congrès de Moutetier ici, Kawana. Est-ce que vous qui il y a le lobby bouillé. Et puis, il faut toujours n'enzela un congrès. C'est ça le problème d'ancien Moudiaï. Je ne veux pas revenir au congrès. Quand on démissionne, est-ce qu'on est venu à vous remplacer? Je vais vous dire une chose. Qui va les remplacer? Hein? Ce gars, le mot, il a démissionné. Le doyen d'âge ou a assuré intérim avant que CDP a se réunir dans une session extraordinaire et va veiller sur tout ça pour proposer un secrétaire général. Mais il a été place à Zali congrès de Moutapé. Congrès, il n'y a pas que ce qui est congrès à lobby, ma cambouso tambola, te boutalaka congrès. Puisque je reviens à ce congrès. Non, qualité de convoquer les congrès. Je vous relance d'abord, puisque on doit aller sans problème. Tout solo là, tant ils allient et puis santé voilaise. Les résolutions du dernier congrès de la CELE, vous voyez bien, Fatih comme candidat et autorité de référence de l'UDPS, article 4 donne la mission au secrétaire général Augustin Kabouya d'engager le parti à tous les niveaux avec les prérogatives de l'article 24. Du statut de l'UDPS. Et les résolutions de Kisanto, que vous connaissez très bien, renouvellement de confiance au secrétaire général pour engager les partis avec les prérogatives, toujours de l'article 24 du statut. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Président président, il y a CDP, Augustin Baniseya, mais ils ne peuvent pas signé parce que il y a manque de composants à compléter. Voilà. Donc, cela n'enlève en rien ma pensée. Parce que nous sommes dans une crise, il y a des moments où on prend des positions extra-juridiques. C'est-à-dire des positions qui sont purement politiques.
Hein? Parce que quand vous parlez du congrès, c'est ça, c'est le juridisme, hein, le congrès. Surtout, toujours autogrès, qui avait convoqué ce congrès, et ainsi de suite. Et Kokzala Makambosusu. Est-ce que nous allons tuer le parti parce que le congrès est quotidien? Hein? Non, nous regardons le fait. Ceux qui tout ça, ils constatent que ça ne marche pas. Hein? Hein? Je crois qu'en ces moments-là, donc il faudra qu'une décision politique intervienne. L'action politique, c'est la plus sage, à mon avis. Hein? Augustin Kabouy et moi, je n'ai pas de problème avec lui. Nous avons relevé les actions purement positives, menées avec qui ont des résultats concrets, avec le président Chabani. Il y a du concret. Du concret, c'est la majorité que nous avons. Du concret, c'est tout ce qui avait été cogité, et cela nous a donné des résultats que nous palpons aujourd'hui. Hein? Cela est vrai. Mais lorsque le climat, il y a malaise, comme ce que nous constatons, c'est une honte. Hein? Au lieu de penser à 2028, nous sommes en train de penser aux individus. Nous sommes tous petits par rapport à l'UDPS. L'UDPS est plus grande que tous. Hein? Il y a seulement cette chance-là qui a fait que certains occupent des postes de responsabilité. Mais ils ne valent pas que tous ceux qui sont restés. Ils ne valent pas plus. Alors, bref, sauvons l'UDPS. Comment sauver l'UDPS? Que Augustin accepte de se faire grand. En se faisant grand, il dépose sa démission et on organise les choses autrement. Augustin, il va voir de loin. Et peut-être qu'on verra que ceux qui viendront ne seront pas meilleurs que lui. La même base va soumettre Malam Ouata Augustin à Azon. Don Ancien Moubia, il n'a pas voilà. Fait ça, il n'a texte. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Est-ce que Ozalaki, Ozalaki n'a congrès à Kisanto, puis Ozalaki n'a congrès à Sélé? Kisanto, je n'ai pas voulu y aller. Hein? Surtout la première peut-être c'est là où c'est là où les affaires ou les choses vous échappent. Non, non. Puisqu'il y a des décisions qui ont été prises, peut-être au Ibagité. Qui sentent qu'il y a eu combien de personnes qui peuvent décider pour l'ensemble de membres de l'UDAPES. Ton côté là-bas de Taïwanate. Il faut ton côté de Kounapote, mais c'est réellement comme Mouya. Ce qui est là qu'on a contexte, c'est là où il y a le problème. Je vais vous donner une sagesse. Ouais. Quand Pongo est parti, hein, est-ce qu'il y avait un texte qui disait que le secrétaire général a démissionné? Mais c'est la base qui avait actionné, la pyramide renversée. Hein? N'est-ce pas? Cette philosophie de pyramide renversée doit continuer pour que ces gens-là se sentent au service des autres. Hein? Alors, le juridisme, c'est bien, mais nous sommes arrivés au moment où il faudra que l'aspect politique prône soit au-dessus de l'aspect juridique. Moi, j'avais voulu que tu restes dans les textes, puisque au tambour la statue. Moi, j'avais voulu qu'on reste dans les statues. Dans les textes. Ce statut a été violé de le départ. C'est Nathan Eliou. Quand vous avez violé, au moins, ça nous rattrape. Lorsque nous allons aux élections, le président Félix est élu, il était beaucoup plus facile avec Jean-Marc de revenir à l'article 26, intérim du président du parti. Hein? Ce que tu appliques, qui disposition est l'article 26 de l'élote aux Amosika. La peur d'appliquer cette disposition, voilà où ça nous amène. Hein? Et cette peur-là vient insinuer un concept qui n'est pas le nôtre. Quel est ce concept des présidents haïs? Hein? J'ai entendu même dernièrement le secrétaire général évoquer qu'au même moment qu'il est secrétaire général, qu'on n'oublie pas qu'il est président ad intérim. Hein? C'est grave. Alors, l'intérim institué par le statut ne peut pas dépasser 30 jours. Mais l'intérim de Kabound a dépassé. Hein? Et celui d'Augustin, n'en parlons pas. Vous comprenez? C'est là où j'ai du mal à devoir revenir au texte. Le texte ont été largement violés. Maintes fois violés. Et lorsque vous le violez plusieurs fois, vous aurez du mal à vous y référer. Vous aurez du mal à vous y référer. Il était beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vous ai pas montré une chose là. Mon frère, notre équipe, c'est-à-dire que nous avions ce que nous appelions, je l'ai dit ici, le fédération opérationnelle. La fédération qui luttait pour la légalité. Nous avons écrit au secrétaire général le 20 juin 2022. Quel était notre cahier de charge? Le grand délit du cahier de charge, l'installation officielle du directoire. C'est-à-dire quoi? Le partage des responsabilités. La collaboration. Nous sommes allés plus loin. Que nous voyons quand même qu'il y ait un compte-rendu des réunions de ces trois-là. C'est-à-dire qu'il y avait le vieux Wankoda, il y avait Chabani, il y avait Augustin, qui devait se réunir et nous faire des comptes rendus de leur réunion. Cela n'a jamais eu lieu. Hein? Et
c'est en ce moment que quelqu'un estime que, parce qu'il y a eu congrès, soi-disant, entre guillemets, et maintenant il faut s'y référer, et se référer aux conclusions du congrès. Non, les violations ont été répétées, et lorsqu'on viole à répétition les dispositions statutaires, on a du mal à s'y référer. Donc le statut devient, pour moi, vidé de son sens. Lélo, Maman Martazali, une référence, Nakati Aïdepes. Est-ce que Bokid Naki, pour singer audience, beaucoup t'en aïe, beau solanaïe, pour vous y bapper position naïe par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui avec Augustin Kabouy comme secrétaire général? Merci. J'ai appris que la maman, qui est une référence, aurait reçu. Aurait. J'ai appris. Dans conditionnel. Je ne veux pas donner de précisions. Aurait reçu le groupe de Wakanda, de Eteni, Jacobéa, Naoki. Il y a des informations qui circulent de Bassololi. Mais tu souhaitais qui que ce qui va rencontrer Aboyé et Salemi, quand même, quand moi, sur la rencontre, moi, synthèse à la rencontre. Contenu aux anamotés. Il y a moi de l'utiliser conditionnel. Hein? Mais est-ce que le Ayamba Kibango depuis Ayamba Bango Otangi Denis Longondo Otangi Jacobéa depuis Bakutanaka réaction à Bango Zandengeni tant aux moins mais il continue toujours vous les avez vus là tout Ayamba Kibango non moi je n'ai pas pris contact avec eux. Oyebi, moi j'ai une attitude, je suis un cadre. Retraité l'année passée, j'ai douté de votre fonction à l'INPP. Je suis sorti comme directeur de recouvrement. Je n'ai pas commandé quelque chose chez quelqu'un. Hein? J'en profite, on a un micro, on a eu. Tout ça, tout le monde est habitué, il y a un membre de PSI qui accède au pouvoir. J'en profite pour le dire que si moi, Donatien Mbiaye, j'appelle, je n'ai pas de bon côté. Je prépare ma retraite. Je trouve que je vais aller jusqu'à... J'en profite. Et ça, problème, mais parce que vous disiez, vous venez de demander si tu es entré en contact. Quand vous appelez quelqu'un 3-4 fois, il ne répond pas dans mes habitudes, je n'insiste pas. Parce qu'on n'a aucun de quoi s'engager le côté. Hein? Je me soucie du parti. Je vais vous dire une chose. Peut-être que, comme la batomité, quand Kabanyonga tombe dans l'IED, c'est parce que là, est arrivé à plusieurs. Je suis resté dans mon salon, dans mon canapé, jusqu'à 3h du matin. Je donne encore un élément. Je reçois une information, puisque je suis membre de l'UDPS, j'appelle l'un des nommés à l'intérieur qui ont défilé. Hein? Après, papa Kankonde, il y a eu Asselo, il y a eu Kazadi, Peter, ainsi de suite. C'était à l'époque de l'un d'entre eux. Je reçois une information qu'il y a une action qui se prépare dans un quartier de Kinshasa contre tous ceux qui sont proches de l'UDPS. Na bengi mouton azo yambate. Hein? Heureusement, il y a des gens qui sont très éveillés. Na yeko benga mouton mouton akota le kombo na yete na bi tala se que j'apprends. Papa, soto sale l'eau côté d'ici le bibo komo na woye koneka na quartier wana gana pesi. Elle dit, ah, c'est vrai, ok, je m'en occupe. Papa, il revient à moi, dit, ok, on a pris des dispositions. Et bah, soit qui va disposition, bah, limite qui va dégâts. Et kokai ko salema. C'est pas si vous vous souvenez, il y a eu une opération qui était montée dans le quartier 3. Il y a, je crois que c'était en 2022. Hein? Cela a été contenu. Hein? Bref, c'est aussi une mauvaise habitude. Il y a un membre à UDPS. Mais est-ce que... Solidarité, tu as là quand on a une marche. Au sommet, au Kaboli. On a une pierre en débandant au Salamongoti. Binotu bozagi mpiaka na minito ba musu bazali polo ba musu bazana se ngala se komi moi je komi bongo je l'ai dit ouvertement na mpiaka te pe na kosa la mpiaka te j'ai occupé le fauteuil directeur bazali kofunda la minoke bozali ezali frustration des ali kosa la bino bozali ko ele la ba poste ce n'est que Kabuya ce n'est pas aujourd'hui que Kabuya est le secrétaire général il a parti accueilli comment ça fait-il bozela ki kaka soki gouvernement ibimi quelques mois après. J'étais candidat député national au Moamba. Au Sio Yokanga, la Sema Kelil. J'ai respecté les résultats.
N'ajoutez. Mais cela veut dire que ma vote est gnatée. Hein? Kembe na kingabo. Hein? Nababiro bonouna na sali contre la monique. J'avais plus de voix que certains d'entre eux. Pas de problème. N'a respecté le résultat. Hein? Je suis un démocrate. Je ne veux pas que tout brille d'accord pour la bongo. Mais souba m'a estimé que parce que élection les cas qui m'a la montée. Parce que promesse va salaire qui sont salamité. Et tout créer mouvement. Ils le font pour les intérêts personnels. Mais nous, nous avons été debout pour l'intérêt du parti. Quand je parlais en 2019, c'était la restructuration du parti. On a trouvé que c'est la poste. Poste sans ambassoumi, au Kozo. Boye Botozanango, nous sommes de tous à l'expertise. Moi, j'ai une expertise. Hein? Plus de 10 ans directeur à l'INPP, bon, c'est pas n'importe quoi. Et de sur quoi la sortie, directeur de recouvrement. J'ai dirigé l'école supérieure de l'INPP pendant une dizaine d'années. Hein? Quand je disais institut supérieur, il y a Nambo Kawo, c'est-à-dire vous dirigez, et le docteur, et le. Ainsi de suite. Très bien, je le sais de traces. Mais il y a ce. Je dis que je n'ai pas de frustration, moi, je ne suis pas frustré. Mais. Le ministre m'a conseillé, il m'a DG. Et ça n'a pas tenu. Il est le rabouillage entre les gens. Il est le DG, il est le PCA, il est le PCA. C'est son choix. Automatiquement, le rabouillage doit partir pour essayer. Attends, si vous avez un mais vous avez un jour, vous avez un donation ou bien il peut mettre un lien sa donation. J'ai combattu depuis 1980. Vous avez récompensé à travers le nomination. Et j'ai un niveau qui convient pour tout ça. Hein? Donc, je ne suis pas un parvenu. Na bandit à 89. Hein? D'ailleurs, c'était une fausse version. Hein? Moi, je vais vous donner un exemple. Je dirigeais la section pendant plusieurs années. Un jour, je fais une collecte pour une activité. Je demande les listes de cotisations. Les listes me parviennent. Je commence à vérifier. Je vois un nom qui attire mon attention. J'appelle le président cellulaire. Il a dit, mais je vois un nom là, ça me dit quelque chose. Qui est-il? Il a dit, non, les membres de la Bisson, il y a cellule. Bon. Mais ce n'est pas le directeur de... Oui, c'est lui. Un directeur de l'INPP. Je suis allé le voir. Il dit, non, nous, nous faisons ça, nous ne voulons pas paraître. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Nous qui avons géré la base pendant une dizaine d'années, nous connaissions nos combattants. Nous connaissions des cadres qui participaient avec leurs contributions mais qui ne voulaient pas se faire savoir. De peur qu'ils ne perdent leur emploi. Mais nous, au Télébolobi, au YDPS, on n'a pas cadré. Non, au Tulinan, tout le monde est sur base. Je vais te dire, tel est médecin, mais à l'inguité, tel est bouillé, tel est bouillé. Voilà. Donc, j'ai ce droit-là, c'est un droit. Je peux devenir aussi responsable. J'ai le niveau de diriger même le ministère. J'ai ce niveau-là. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui que Mbongo est emboli pour n'avoir déstabilisé le parti. Donc, Baonyo soit allé comme de gauche à droite. Mbongo est emboli, il y a une main noire. Derrière tout ce qui se passe, Nakatiaï de Pes, Bolié Mbongo pour n'avoir créé, pour déstabiliser le parti, pour être. Félix a échoué na tokolo ba 3 ans au Etikali. Azala P9 malaise. Je vous dis en toute sincérité que je rejette ce genre d'allégation. Pourquoi je dois le rejeter? Baloba na ngai pe bongo ngai na zo mbongo. Batangila batonga na tikala okota na bangote. Ça c'est la faiblesse du raisonnement. Quand quelqu'un revendique, fait voir ce qui ne marche pas, on dirait qu'il a reçu l'argent. Non. Nous n'avons pas le temps. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps d'aller demander l'argent à quelqu'un. Je n'en ai pas. Mais si on m'en donne, j'en prends. Si quelqu'un, même ceux qui sont au pouvoir, là, nos frères qui sont... prends quand même un transport. Je prends. Acheter du cargo. Je prends. Je ne refuse pas. Mais je n'ai pas le temps de leur demander. Hein? Je ne veux pas ici parler argent parce que ton mona, ton luka, ton nazali. Je me sens à l'aise que je suis là. Mais occuper un poste de responsabilité, c'est un droit. Hein? Parce qu'à cette époque, on nous a fait croire. Moi, d'ailleurs, dans mon quartier, on ne croyait pas que j'allais demeurer ainsi sans un poste responsable de l'UDPS en tant que directeur des campagnes de Jean-Marc. Hein? Personne n'avait cru que je serais aujourd'hui mis à l'écart. Personne n'avait cru. Hein? J'ai la capacité de faire tout ce qu'on veut me demander de faire, moi. Je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi-même. Donc, je suis resté à l'INPP une vingtaine d'années et directeur pendant plus de 10 ans. D'abord, à l'ESORCA,
et ensuite à la direction des recouvrements. Voilà. Donc, si aujourd'hui je revendique un poste, c'est tout à fait normal. Même au sein du parti, je peux diriger ou organiser les choses autrement. Donc, je comprends que c'est à des fois, c'est là où il y a les problèmes. Hein? Quel problème? C'est là où il y a les problèmes. Je mets un vœu. Je présente ce que je suis. Vous avez la capacité. J'ai des capacités. Vous allez autant là-bas, peut-être vous allez assumer ma fonction. Tu te poses trop de questions, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne me pose pas de questions. Ceux qui dirigent me connaissent mes capacités, connaissent qui je suis. Hein? Monsieur, on ne fait pas référence à moi parce que je ne suis pas un Tosa Obika. Et je ne le serai jamais. Donc, sur autocité. Non, moi, je vais dire des choses. Vous quand Augustin a fait du bon travail, j'apprécie. Personne ne viendra m'interdire. Non, yozo commissaire. Non, mais salé, mon ami. Tous en a député. Hein? Bipay na bipay. Salé, mon ami. En collaboration avec le président de la CEP, le président Chabani. Aké na province, à Zongisi ma parti, il y a eu même na ba Miabi, kuna Congo central, les autres, tous en a ba fédération, tous en a ba biwa ba fédération, ils allaient rater. Mais tant va passer, je me suis pas allé. Très bien. Mais si quoi le problème, c'est que entre Yena Banning et l'exécutif, ça ne marche pas. Crise one, qu'est-ce que nous proposons? Hein? Toko t'en a proposition. J'ai déjà proposé ici. Toko Zala n'a pas proposition, Toko Zala bien, et puis je pense que ça sera tellement bien. Mais problème au sous, vous allez comment on a été crise Nabino et Koki qui affecter même Union Sacrée, crise a eu de peste. Et puis, et Koki qui déstabiliser peut certaines institutions à la République démocratique du Congo. Très bien. Vous savez, face à une crise, il y a une attitude. Il y a une attitude qu'on appelle le laisser-faire. Hein? Vous laissez la crise perdurer qu'elle va s'éteindre d'elle-même. Il y a une autre attitude, c'est l'interventionnisme. Donc, intervenir lorsqu'il y a une crise. Pour le cas précis, la meilleure solution, ce serait intervenir. Il ne faut pas laisser la crise aller. Infecter une autre crise, c'est peut-être par rapport à la manière dont on peut résoudre la crise. Ce qui résout la crise, c'est un malam et qu'on infecte l'union sacrée. L'union sacrée, quand on dit l'union sacrée, oui, il y a des individus qui la composent, mais c'est l'union sacrée. Prenons l'hypothèse. Que dans l'union sacrée, tout ça n'a motoboye, mandaté par structure politique boye. Hein? Toi, y'a bilobi à mototé. Dégue tout seul, boye, comment on longue, kaka wa, beti libako yoan ok. Hein? Ce qui y'a au koufi, union sacrée éthique, bako remplacer mototé. Bref, nous sommes tous remplaçables. Hein? Et quoi affecter l'union sacrée, c'est par rapport à la manière dont ils ont résolu. Si vous allez bien résolu, dans le cadre de l'UDAPES. Motoba Kopona a joué le même rôle que jouait celui qui représentait l'UDPS au niveau de l'Union Sacrée. Le voilà président, c'est plus que vous. Des fois, vous êtes allé au-delà. J'ai suivi Bande Konabiso, il y a MLC, il y a Jean-Pierre Mbemba. Bazali, quoi qu'ils aient, je Kobeya, pourquoi? Parce que Asali sorti médiatique Moko et Sepeli Sibangote, et puis à l'obique Jean-Pierre Mbemba. Toujours quand il y a une crise à temps à la communication, là, Jean-Pierre Mbemba a mekaki qui a renversé pouvoir, donc au sala coup d'État, pour être Azoa Ebonga. Donc ça, vous ne voyez pas que déjà, MLC déjà, Azali est secoué, et puis bah, c'est pélité. Il y a eu. Ce n'est pas bien. Je l'apprends sur ce plateau, c'est étonnant. Ce n'est pas de cette manière qu'on parle de partenaires. Et puis en plus, il faut reconnaître une chose. La bouche autorisée. Est-ce que Jeko a été la bouche autorisée pour parler de choses de tel niveau? Je ne sais pas. D'où il a tiré ça? Naïbité. Qui devrait en principe parler de ça? Naïbité. Est-ce que c'est lui? Parce que Oyebiezala va proposer Mosusu et Botaka une situation. Il y a désaccord, mésentente et même une crise. Puisque la crise vient lorsqu'on ne sait pas. Hein, se trouver des solutions rapidement. Crise, c'est une dimension révélée. Alors, cette déclaration-là, tu sais que vous dites, là, je la prends ici, c'est étonnant que de désigner. Ils ont fait un média crédible. Il y a eu de peste, Kolobake, Alinga qui a renversé. Il a ça. Il tire ça d'où? À titre de preuve. Il y a Elo Kwazom. S'il a de preuves. C'est ça l'identité de l'UDPS. Vous ne voyez pas qu'il y a des fois ces genres de déclarations. À des fois, vous allez comment on a pensé que c'est le théâtre et tout ça. Dans le lobby, il y a un peu de temps.
et le col y a parti et zonga et col y a parti des côtes là qui s'abattent l'olingi à cause à la canakati y a bateau surtout quand on se dit acteur politique. J'ai dit souvent aux membres pendant que j'étais à la cellule, hein, donc là la bande la cellule mbamo là y a ici bateau quand j'ai pris la cellule je leur ai dit on me net au salabari nyombou mobeko kobi makebo kangaba politicien nyons. Déjà dans une cellule, vous tenez une réunion, vous êtes politique. Parce que c'est une réunion politique. Hein? Politicien, azalate kako yo mona kana télévision. Politicien, azalate oyo yo moni azana kati ya gouvernement. Bon, non. Dès lors que vous tenez des réunions politiques, vous allez okay. Politicien. Voilà. Je pense que ma pelle est pénèvement. Pas n'amboka wazana pour ça pénèvement. Bah tout Naomi Tuna, je pense que standard Nabiso Ezali déjà polélé et puis Bokoki Kobenga, Botuna Mituna Nabino na don ancien to rejoindre juste 4 ou 5 appels pour être don ancien Mubiai Ayeba ko répondre bino. Mais je en attendant en tout cas saturation na dimension moi au Saranaté, en tout cas Bobunda wa ko taliboso to koyamba sans problème. Pourquoi Makamboyo y a eu des pèses puisque ils aiment Makamboa famille Makamboa nakatiandaku pourquoi pas qu'on régle en on nakatiandaku que Bobby Misa yango penavuma et moi na namokili mobimba à des fois ils allent comme ça la Sony pourquoi il y a jusqu'à ce qu'on maintienne la dimension boy très bien na yinde na opé sa réponse te mais na kozwa réponse au bapé sa kilobi na moto na oyo je crois qu'on zala qui peut-être prêter qui attention te même docteur Etienne Alobaki a commis Baloukou Odjons Pakoutal. Hein? Sans amo bimbeleki. Bref, quand entre le rapport interpersonnel entre Motona Moutou, Bakou qui a trouvé une solution, que Motona qui a dit une tierce personne. Hein? Mais la tierce personne, au Bango Baponi, ils ont opinion nationale. Ils ont dit solidaire. Pourquoi? Parce qu'à leur niveau, il y a qualité. Mais je me rajouter une chose. Ok. On a pour la bateau, Bazo Kamba, il y a eu des pèses, ils ont dit patrimoine national. Hein? Et puis retenez que l'UDPS, quand ils sont autant de membres actifs à l'UDPS, donc ils vont faire gagner l'élection à Motodé. Okay. Hein? Il faut ajouter aux membres actifs les sympathisants. Hein? Bah ouais, bah ça, les bandes, ben balingi de pèse, bah on va coller comme balingi de pèse, bien que bah y a qu'un abarélion. D'accord. Toi, moi, on a fait un bon tête de co, ben qui soit puis Motodé les amis. Allô. Allô, papa, tu es allé au Landa. Moutouna na au Congo na on a une belle émission. Ouais. Oh là là, il est parti. En tout cas, Tozali Pena vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est tellement compliqué, voilà. Nous sommes en train de continuer toujours. Kouetie, il y a un problème trop sérieux. Connexion, mon boulot appelle les Bazali Kowel et là. En tout cas, continuez, puisque le temps est ambitieux, ils allaient pousser à la pénètre de Tigali vraiment dans 5 minutes. En tout cas, Bobenga, et puis Botouna Mitouna, je pense qu'on va vous répondre sans problème. Présent aux Oaba Namboka. Ndeko, Benga, bisous tous les Oaba, tout le monde. Oui, Ndeko, bonjour. Bonjour, papa. Ndeko, bonjour. La ligne n'a pas juste. Zala Moussika, n'a pas le viseur, n'a pas le diminuer le volume. La ligne n'a tout n'a pas le Ok. Augustin Kabouya nini ya mabe oyo ya sali parce que abimisi na ba vérité oyo mokili mobimba bayoki ke baganaki ba election te yende mutasalaki ke bazwa pouvoir. Ok. Bon sikone loko wana bolobini. D'accord, merci beaucoup. Parce je pense que les avec ya bangote baganaki ba election te. Merci. Il a gagné l'élection. Il est parti à l'obi pour Gitsen Kabou à l'obi, la vérité, Bélé, qui a sa lignon, son poète, pouvoir et Zouama. Benigne a sa lignon. Ça, c'est un langage que lui est bon. Parce que la question n'est pas tout à fait claire. Il a gagné l'élection. Bon, moi, je ne peux pas aller à l'encontre, il y a ma propos, puisque je ne les ai pas écoutés. Okay. Mais je sais que l'élection est salée, il a proclamé l'élection à Séni.
La proclamation à la Batouabimi, bon, comment je vais contester, bien que moi je n'ai pas été élu. Bon, je n'ai pas une place na Koyano, là où on a été. Kakaye Boto, Alobi, Bakanya, Kete, Alobi, bon, je ne sais pas de quelle vérité il parle. Voilà, en tout cas, j'aimerais vraiment tout comme ce qu'on attend, puisque vous avez dit plateau, vous avez dit plateau, il y a analyse et proposition. Tu as donné le point de vue, tu as répondu vraiment à Mituna. On a tout nu. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes, puisque déjà nous tendons vers la fin. Merci. Je voudrais vérifier, il y a eu une famille là, Mbouankiem, est-ce que Mbouankiem n'a pas laissé des enfants? Qui passe à gérer les partis, plutôt gérer le pays, il y a presque tout le monde qui gère le pays là parmi ceux qui étaient interfédéraux là. Mais la famille Mbouankiem ne se retrouve parce qu'il n'y a pas des enfants dans cette famille là. Merci beaucoup. Merci pour la question. Voilà, l'ancien Moubien. Est-ce que je peux? Vous pouvez répondre. Oui, je crois que Nazoum Banoté pour la copine, il y a un peu la banne en Mbouankiem, mais je sais que sous sa banne en Mbouankiem, il y a une institution. Institution, c'est quand que c'est la gouvernement. Donc, Bazali, ils sont là, ils sont reconnus parce que papa a mené un combat et puis Balabala Kati, c'est quand même un résultat. Merci. J'aimerais être précis. Je réponds, ça c'est mon point de vue, sans avoir l'aval du parti, parce que c'est ce que nous souhaitons. Que c'est quelqu'un qui vient parler, s'il parle au nom du parti, qu'il ait l'autorisation de parler au nom du parti. Hein? Mais ce que nous faisons, c'est en tant que membre du parti, en tant qu'individu, en tant qu'acteur et surtout en tant qu'analyste. Et qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour être Kimia et Kotanakati à parti? Puisque Bitoumezali, Augustin Kabouya Tchoko Lobakete, Bitoumeza Makas Kounana sa République, et de l'autre côté, social à ba Congolais, Ezali Kotungisa Moukonzambo, Kamaebi, qui base naye, Ezali UDPS. Mais Kuna, Moutezal Kola Moutoali Kolo, Ake Kolokelebino Bolamo, Bino Nase Bozali Kotiye la Moto. Qu'est-ce qui doit être fait n'a qu'on changer réponse. C'est comme pour demander pourquoi Bazo Bundisaye wana baninga na yeba sibalopi. Mais moi maintenant, tokomi peut-être vers la fin de l'émission, j'ai des choses à dire. Le kola biso to sali constat ya tiraillement. Et ko bebi sa lokomo ayu de pes mokil mobimba. C'est comme à lui de pes batwa sala o yuzui la bangona mitou. Nde lokna la lobby sagesse à Salomon. Hein? Augustin Kabouya, Sokolingi de Pes. Hein? Toi la moine de Peste, à Kabouana Biteni. Tout le monde a bandi Kokutana na permanence parce que peut-être le policier Bayak va battre les bangs. Bamso Babra Kouluki, si Kabandi Kokutana. Té. Boluka, Boluka Bouania. Dans le contexte, Boluka Bouania. Il faut. D'abord, ce qui est Amonique Bele, Ongana Kokamba, Bandi Minga, les sous-souté. Hein? Et n'en a qu'à remplacer. Certains Mukendi qui était sur place, l'avocat. Hein? Maître Mukendi. Alors, on a dit que les gens qui ont été recourir au règlement intérieur, le texte doit corriger l'exécutif là, dans son présidence. Et tu as partagé le même avis Nabango? Si, c'est évident. Ce que moi je partage avec eux, c'est le fait que le secrétaire général actuel cède sa place. Ce qu'on peut n'ayez pas remplacer place. Hein? Le coup les alliés d'abord à l'interne, pour assurer un peu. Bango, donc l'organe a prévu, je ne suis pas de l'organe, vous étiez là, l'organe a prévu qu'on remplace le secrétaire général par le doyen d'âge. Voilà, il y a organe. Voilà. C'est ce que j'ai proposé. Okay. Et moi, j'ajoute, okay. Il faut unifier la CDP, puisque la CDP a un très grand rôle à jouer en période de crise. Merci. Le cas qui, continue de Kabouya dans la commission de discipline, n'est-ce pas? Oh ouais. Et rapport au sein de la CDP, mais une CDP biaisée, divisée, c'est la CDP qui parlait là avec Nakoti. Donc vous comprenez. Donc il faudra qu'on se mette. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup na Donatien Mobiayi, cadre na UDPS Tshisekedi. Vous avez suivi par rapport à la crise où Ezali Koleka na Katikuda. Et puis il a détaillé entre-temps à PCP ma proposition. Merci beaucoup na Mboshilo Kinzonzi. Merci na Ange Kassa. Merci beaucoup na David Tembeni.
Osé Ndokolo, Papa Jean, en tout cas, to Pesibino vraiment beauté pour na Onyon, vous allez qu'on sera vraiment pour na Congo. Moi, je suis votre réalisateur, hein, donc permanent. En tout cas, Tokutana lobby na 5 heures pour la rediffusion pour Nangaï. Tokutana Sumkola lundi pour la mission Sika. Pour na Léo Tsukiawa, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Merci. La RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvée, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tôt sur la mienne avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nous avons une politique et une société civile. Et nous avons une société civile qui nous a fait tomber l'école. Nayango. Bolanda Miso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.